So first, I'd like to welcome everybody to this first policy webinar organized by the Partnership for Economic Policy Research Fellows. So this webinar is entitled Energy for Empowerment, Women's Access to Electricity in Rural West Africa. So basically, we want to discuss what can be done to increase rural electrification in a way that works for women. So we know that for people living in small rural communities of Nigeria and Ivory Coast, Cote d'Ivoire, access to electricity is very limited. Having access to electricity may mean that they are going to have access to time-saving technologies that can increase their productivity inside and outside the household. However, linking isolated communities to the national electricity grid can be very, very costly, which may call for some alternatives. More cost-effective approach should be implemented. But additionally, and that's, I think that's the focus of the discussion that we're going to have today, electrification is likely to have differentiated impacts for men and women, basically due to social norms, but also due to the opportunities in the local economy. So in Nigeria and Ivory Coast, the PEP network has had, or has two teams that have been working on this issue on differentiated gender impacts and access to alternative ways to link small villages and rural villages to the national electricity grids. And today we are honored of having two of these specialists that are going to have a conversation with us. So it's not like a presentation, a traditional, like showing the results of the research, but more exploring what the research has to tell us about the policy implications of what they found. So we have Dr. Binate Fofana from Ivory Coast. She's an assistant professor at the Faculty of Economics and Management at the University Félix Houphouët-Boigny of Abidjan. She has lots of work on gender issues, particularly in rural areas. And she's also the coordinator of the Operation Unity of the Institute for Natural Resources in Africa from the University of the United Nations. She's also advisory on gender issues for the Ministry of Women, Family, and Child in Ivory Coast. And joining her, we have also Dr. Temilad Sheshan. She's a lecturer at the Center for Petroleum and Energy Economics and Law at the University of Ibadan in Nigeria. The focus of her research has been on the socioeconomic dimensions of energy access in sub-Saharan Africa, particularly in Nigeria and Ghana. She has a PhD on sociology and social policy, and she has published extensively in the interactions between market-based trajectories for energy access and the barriers that prevent some particular groups to have access to it. So without much ado, I would like to pose the first question to our speakers. So the first question that we would have is, what are the governments of Ivory Coast and Nigeria doing to expand rural electrification? And what options do they have to reach more isolated communities? So perhaps we could stick to English. We have the translation to French. So I would invite Dr. Temilad Sheshan to speak first, and then later we have the views of Dr. Binate. Thank you. Okay, thanks very much, Fabio. I'd appreciate it if you could keep time for me, because I tend to get lost when I'm speaking. Okay, so yes, what the Nigerian government is doing, I mean, just to say, electricity has been a major focus of energy policy, development policy in Nigeria for decades now, because it's sort of like maybe like an open secret, like in Nigeria, like even people in urban areas don't have reliable access to electricity. So it's a major focus. However, you know, the
sort of progress that has been achieved on the whole is the disparity between the progress that has been achieved and the focus, the policy focus on it and the investment is actually quite wide. So in spite of, you know, decades of dealing with this thing, you know, access broadly is still very low. So a few years ago, about 5, 6, 7 years ago now, you know, development partners came in, the World Bank, you know, especially GIZ as well, to try and sort of look at new ways of doing this thing. You know, what can we do to make things better, especially in rural? So nationwide electrification rates are around, standard around 57%, but in rural areas it's 23%, you know, so it's like, instead of the old, you know, grid electricity connection, and, you know, anyone that knows Nigeria knows that the terrain is vast, and what can we do differently? And so that began this mini grid emphasis, you know, so there's a lot of emphasis on building mini grids with a whole sort of regulatory framework that was actually celebrated for a long, you know, at that time as being quite innovative, you know, by the NERC, so the Electricity Regulatory Commission. So that sort of laid the groundwork for investors to come into the mini grid space. So that was actually quite, you know, successful on some level. But even down the line, it became clear that that was by no means sufficient, even to the government. One of the issues being that, you know, this whole idea of the necessity of having like an anchor load, or an anchor customer, that would offtake much of the electricity so that it would be profitable, you know, so that you could then sort of almost cross subsidize across, you know, to households, poor households especially. So that wasn't working. You know, anchor customers were not, so that speaks to the idea of, you know, low industrial and commercial use in rural areas. And so actually, end of last year, the government, almost coincidentally with this project, they hadn't had any sort of insight into the final sort of findings, but the government actually came with some sort of collaboration, I suppose, with partners, the SC for All coalition and all of that. And I've actually launched this thing called Solar Power Niger. So in addition to mini grids, actually launching more like smaller scale, you know, solar home systems targeted at 5 million households. That's approximately 25 million Nigerians. So to reach the more isolated and the poorer, you know, to match the level of supply to the demand in those areas. So that's ongoing. That started late last year. It's ongoing, and we'll see how that goes in the next few years. Okay, thank you very much. Dr. Binatte, the floor is yours. La parole est à vous. Merci Fabio. Merci à tout le monde. Avant de prendre la parole, je voudrais, mesdames et messieurs, vous inviter à avoir une pensée pieuse pour notre regretté Premier ministre, chef du gouvernement de Côte d'Ivoire, qui vient d'être rappelé à Dieu le mercredi 10 mars 2021. Que son âme repose en paix. Alors, pour revenir au sujet, il faut dire que nous parlons aujourd'hui de l'énergie pour l'autonomisation de la femme. Alors, en quoi l'énergie est importante, l'accès à l'électricité importante pour la femme en Afrique de l'Ouest, je dirais même pour la femme en Afrique et la femme en Afrique de l'Ouest et aussi pour la femme en Côte d'Ivoire. Alors, il faut dire que nous sommes dans le mois où on célèbre les femmes. Nous sommes dans le mois qui consacre la journée internationale de la femme, une journée qui reconnaît et la contribution des femmes au processus de développement, une journée qui met en exergue, n'est-ce pas, toutes les avancées qui sont faites en matière d'égalité entre les hommes et les femmes. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Et nous voulons ici que le focus étant sur l'accès à l'électricité, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, l'État ivoirien a mené beaucoup d'actions, ayant compris la nécessité de l'électricité dans nos villes, dans nos villages, dans nos communautés.
Et c'est ainsi que, en termes d'intervention, l'État a mis en place ce que nous appelons le programme national, le programme national, pardon, d'électrification rurale, le PRONER. Et ce programme consiste, dans sa première phase, à électrifier les localités, toutes les localités du pays qui ont au moins 500 habitants. Et bien entendu, vous avez d'autres localités qui n'ont pas ce chiffre, mais qui sont aussi, qui ne sont pas éligibles à cette première phase. Et donc, l'État a mis en place justement ce programme-là pour permettre à tous les villages qui ont plus de 500 habitants d'avoir accès à l'électricité. Et cela a permis, si vous voulez, a permis d'avoir, à ce jour, nous avons, ça a permis des investissements, évidemment, et ces investissements ont permis d'avoir un taux de couverture nationale en 2020, là, de plus de près de 80%. Et un taux d'accès, parce qu'une chose est d'avoir l'électricité, mais une autre aussi, c'est d'avoir accès à cette électricité. Et donc, en termes d'accès, nous avons environ 97,9%, n'est-ce pas, de populations qui ont accès à l'électricité. Évidemment, l'objectif, c'était d'avoir les localités de 500 habitants. Nous en avions 8 513 et nous avons pu obtenir, comme on appelle ça, nous avons pu avoir 6 781 localités électrifiées. Ce qui n'est pas rien, ça donne un taux d'exécution de plus de près de 80%. Alors, maintenant, quels sont les défis? Parce qu'il y a ça, il y a la politique qui est mise en place, qui est le preneur. Et les défis, c'est, je vous ai parlé tout de suite, tout à l'heure, qu'il y a un critère d'éligibilité qui est que le village ait 500 habitants. Mais vous avez beaucoup de villages qui n'ont pas ce chiffre. Et donc, le défi pour l'État de Côte d'Ivoire, c'est d'électrifier toutes les localités, y compris les localités qui ont moins de 500 habitants. Qui ont moins de 500 habitants. Et donc, ça, c'est vraiment le défi. Donc, le défi, c'est la couverture nationale de toutes les localités. Ensuite, c'est l'accès de toutes les populations ivoiriennes à l'électricité, notamment les populations vivant en rural. Quand on sait le travail que ces populations apportent, n'est-ce pas, à nos communautés, à notre population, à notre pays, à travers, disons, la sécurité alimentaire, etc., etc. Alors, donc, ça, c'est le défi. Alors, comme je l'ai dit, j'ai parlé tantôt, et ce défi de couvrir le territoire national et aussi de pouvoir donner accès à toute la population, le premier outil qu'on a eu, c'est le PRONER. Et ce PRONER a été boosté parce qu'à un moment donné, on s'est rendu compte que le taux de pauvreté, c'est vrai, on a beaucoup travaillé, ça diminue, mais pas de façon comme on le voulait. Et donc, face à cela, l'État a mis en place ce que nous appelons le programme social du gouvernement pour l'année 2019-2020. Et ce programme a permis justement au PRONER, qui est le programme d'électrification, d'être boosté. Ça a boosté le PRONER. C'est ce qui nous a permis d'avoir ces résultats-là. Alors, je pense qu'en ce qui concerne, disons, qu'est-ce qui est fait, globalement, nous pouvons nous en tenir à ça, mais nous allons développer davantage dans les autres questions. Merci. D'accord, merci beaucoup, Dr. Vinate. Donc, on passe à la deuxième question. So, the second question, Dr. Temelhadze, could you let us know a little bit why we should expect different impacts of rural electrification for men and women, particularly in terms of economic opportunities? Okay. So to understand the impact on economic opportunities, we do have to start from the household, because
like the greatest drag on women's time, the greatest burden comes from just these household responsibilities prescribed many times by, you know, gender norms and responsibilities. And so, you know, improving access to electricity that might be able to reduce the time that they spend doing some of these domestic chores would actually help to free up time that can then be used to pursue like income generating activities. However, you know, it is by no means that straightforward. So the fact that there is, you know, you now have more time does not necessarily mean that you have productive activities to match that to. So, I mean, the largest employer of female and male labor in rural areas is agriculture. And then for women do the greatest share of small-scale agro-processing. And so that tends to be the, you know, where they can most readily sort of lend that time, you know. But, you know, so far, at least in Nigeria, the broader electrification projects have not necessarily targeted those agro-processing industries. The interventions that are most common for those are maybe like diesel-powered machines, like for grinders and things like that, you know, but for to actually say, oh, a mini-grid is powering a grinding mill, you know, or a palm oil processing plant, not a plant, palm oil processing. So women tend to either use like manual labor. Here they actually use their feet, you know, to do this hard labor to press the palm nuts, or you know, these diesel machines, which is just used by a fraction, or say things like rice dehusking machines. So there is not that. There's not that connection yet between the energy or electrification that is provided in rural areas and, you know, agro-processing or agriculture-related activities that are heavily female. So there's that disconnect at the moment. So in that space, there is a lot of opportunity to tailor energy and electricity interventions to better match those occupations. Okay, thank you. Dr. Binate, could you tell us a little bit what you found in your research in terms of the differential impacts of access to electricity for men and women? D'accord. Merci, Monsieur Fabio. Alors, il faut dire que l'électrification, comme on l'a dit, a eu un impact positif au niveau de l'autonomisation des femmes à travers un certain nombre de canaux de transmission. Vous avez parlé dans votre question pourquoi les impacts sont différents, parce que ça c'est important de le savoir. Les femmes et les hommes ne vivent pas l'impact de l'électrification de la même manière. Alors pourquoi? Parce que déjà et mène des activités différentes par moment. Et puis aussi, vous avez les besoins qui ne sont pas les mêmes. Et par conséquent, on n'a pas les mêmes impacts. Alors, notre étude, précisément, a révélé que au niveau du temps consacré aux activités, par exemple, que chez les hommes consacrent plus de temps aux activités agricoles et non agricoles. Et pendant que les femmes consacrent plus de temps aux activités ménagères, domestiques. Et ça, c'est important. Alors, déjà, à ce niveau, avec l'électrification, qu'est-ce qui peut changer? Avec l'électrification, je crois que ma collègue l'a dit tout à l'heure, vous savez que dans nos villages, en milieu rural, l'activité principale, c'est l'activité agricole. Et les femmes sont les principales actrices, notamment en ce qui concerne le sous-secteur du vivrier. Et c'est un domaine dont le rendement est faible, la productivité est faible, et puis les revenus, évidemment, le revenu ici de ces activités menées par les femmes sont faibles, les revenus sont faibles, parce qu'elles n'ont pas vraiment accès aux facteurs de production qui pourraient booster la productivité et le rendement.
Alors, avec l'électricité, nos résultats ont montré que la femme, avec l'accès à l'électricité, dégage plus de temps pour les consacre au travail rémunéré et à l'emploi rémunéré et aussi aux emplois qui ne sont pas des emplois agricoles. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce résultat va permettre de réduire l'écart de temps entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les activités agricoles et non agricoles. Parce que avec l'électricité, nous parlons par exemple de l'accès à l'eau. L'accès à l'eau va faire que, par exemple, la femme qui chaque matin doit aller puiser de l'eau à des distances avant de pouvoir avoir le temps pour aller au champ, ben, cela va se réduire si nous avons l'eau, si nous avons l'électricité, l'eau, ça va permettre à cette femme-là d'avoir beaucoup de temps, de pouvoir se vaquer à ses activités agricoles et aussi à ses activités non agricoles. Alors, et cela vraiment est un résultat très important qui nous interpelle pour dire que l'électrification, et puis au-delà de ça, vous savez, dans nos pays, dans nos villages, dans nos pays généralement, elle l'a dit, on l'a dit, hein, l'accès, l'électricité est un bien rare, si vous voulez, parce que nous avons de nombreux villages qui ne l'ont pas. Et donc, ça limite les femmes dans leur travail. Et avec l'accès à l'électricité, mais ce sont des, je veux dire, ce sont des les femmes pourront transformer, parce que nous savons que une chose, leur activité principale, c'est la production agricole. Mais quand vous produisez, il faut vendre cette production-là. Mais l'État, les infrastructures, le manque d'infrastructures fait que souvent il est difficile pour la femme d'aller vendre ses produits. Mais si vous avez l'électricité à travers le téléphone, l'information, parce que ça va, si vous avez l'électricité, vous pourrez utiliser le téléphone, charger votre téléphone, et ça va permettre à la femme d'avoir accès au marché étant chez elle. Et ça, c'est un canal qui permet à la femme non seulement de vendre son produit, mais de profiter de ce produit. Et ma collègue l'a dit, dans nos villages, vous savez, toutes les activités sont faites de façon manuelle. Et ça, c'est très difficile. Je prends par exemple la production du karité, du beurre de karité, qui est un produit très prisé. Mais les femmes, pour pouvoir avoir la pâte, elles étaient obligées d'écraser à la main. Elles passent des heures et des heures à le faire. Mais avec l'électrification, vous avez les moulins qui sont là, des broyeuses pour celles qui transforment le manioc. Donc, vous voyez, le temps qu'elle mettait pour avoir la pâte du karité, pour avoir le beurre, mais ce temps est peut-être, je veux dire, divisé par 100. Vous voyez, donc ça lui donne l'opportunité de produire davantage et d'accroître son revenu. Ça, c'est vraiment, et ce sont quelques exemples pour montrer que il est important pour nous, l'électricité, c'est vrai, a un impact très positif sur la femme. Parce que ça permet à la femme de diversifier ses activités, de valoriser ses activités à travers la transformation. Vous voyez, ce qui n'était pas le cas quand vous n'avez pas l'électricité, vous êtes limité. Et au-delà des activités agricoles, vous avez aussi les activités non agricoles. Si vous avez l'électricité dans votre village, la femme peut peut-être avoir, avec un congélateur, faire des jus, des transformations des jus, faire des petits métiers. Et justement, l'étude a montré qu'effectivement, avec l'électricité, les femmes consacrent plus de temps aux activités non agricoles, au détriment des activités domestiques qui sont réduites, dont le temps est réduit par l'apport de l'électricité. Je pense que je peux m'arrêter à ce niveau. D'accord, merci beaucoup. Donc, on passe à la deuxième question. So we go to the second question. You mentioned during your first two responses some of the barriers that women face even when they have access to electricity in order to increase the production, like have access to inputs or have the linkages, some linkages that are missing in terms of
increasing the value added of their production. Could you let us know a little bit of these other barriers? So besides the access to electricity, what other barriers do women face to fully profit from the opportunities that potentially could be open given the access to electricity? So over to Dr. Temilad. Right. So again, starting from the domestic sphere. So our research, one of the findings was that, you know, actually this scenario where, you know, mini grids were just developed to increase generically electricity access in rural areas, actually did not improve, or shall I say, did not reduce the amounts of time that women spent on tasks significantly within the home. So that is actually backed up by other studies in the literature, other qualitative studies that actually show that it can actually increase the time spent. So for example, an interesting example all the way from Bangladesh shows how, you know, an efficient village providing solar home systems, you know, allowed like the men, fishermen, to come back home and relax in the evenings, like in front of this solar powered, you know, TV sets and watch the news. But the women actually used the lighting, you know, to actually mend the fishing nets brought back from work by the men. So their own work hours were increased. They actually didn't use the better light at night to relax or to maybe add to their own income. It was to you know, do this other labor. So, you know, it's important to be very critical about, you know, yeah. So what are those barriers? I think a big one is, you know, in the social sciences, what we call agency or decision-making power between men and women. So this idea of not just gender, but gendered relations between men and women, starting from the domestic sphere, and that spills over into marketplace activities. No, so it's not a level playing field. Again, in this wise, some sort of difference has been noticed where between having electricity from like this mini grid or this option where this fixed, more like fixed options where maybe the household pays for the use of electricity. Usually that decision-making power to pay and where to put the light rests with the men in the household. Versus say, you know, where you have a woman who has access to maybe like a solar lantern that she can move easily around, then when she needs to work in the kitchen space, she's able to move that, you know, lantern, you know, around. Versus where, you know, when it's the men that are in control of payments, they actually choose which spaces are, you know, priority for lighting. So it would be the living area or, you know, where they do recreation and leave out like the kitchen spaces, for instance. So that agency and decision making power is quite complex, you know, within households. Another thing is obviously, well, cost, because women's income levels, assets, and, you know, all of that are lower generally than that of men. So on an individual basis, it's you know, and the two are linked, you know, with lower financial power, women have lower decision-making power within the home. And even with their businesses, you know, like this agro-processing is interesting. In Nigeria, where at least in the Southwest, you know, where, you know, I've done some previous research, you know, this agro-processing we're talking about, actually the income from that does not go to the women in all instances. There are many instances where, again, going back to the palm oil example I was talking about, where for traditional reasons, the oil pressed from the nuts is given back to the men to sell. The women actually have no part in that, and what they are entitled to traditionally is the husk that is like waste that they maybe use to cook, or, you know, it's not tradable, you know. So you have all these imbalances, like even in the workplace, what determines who can profit. So even if, for instance, that activity were to be mechanized, or, you know, electricity were to be available for it, it doesn't necessarily translate into income generating power, you know, for women. So there are all that going on in the background. One major point, you know, that I want to maybe end with here is the fact that I think a lot of electrification efforts, whether large scale or small scale, miss the fact that actually electricity does not
in sub-Saharan Africa does not add to the one major activity in the home done by women, which is cooking. You know, so people say, you know, there's a lot of policy focus on electricity, whereas, you know, the time spent cooking and the fuels, the dirty fuels used in cooking affects the health, you know, of women and all of that. And even this agro-processing industry. So it's, you know, the palm oil I'm talking about is literally cook the palm nuts, or say locust beans, these are traditional, or say cassava flakes, you know, that, you know, Dr. Benatti was talking about. All of these are cooking there, and they use other forms of energy that have nothing to do with electricity, because electricity is an expensive way to cook. But cooking is a big part of, you know, the tasks that women do both domestically and, you know, in the market place. So these are the barriers, some of the barriers to, you know, women, just the roles, as you know, the circumscribed roles, and the technologies are not necessarily matched to those roles. And so that's where we have the imbalance. Okay, thank you very much. So, je passe la parole à Dr. Benanté, s'il vous plaît. Allô, vous m'entendez? Alors, donc, ce que je voulais ajouter à ce que madame, ma collègue a déroulé tout à l'heure, c'est que, vous voyez, c'est vrai que certaines études ont montré que, bon, l'électricité ne change pas vraiment, n'a pas d'impact très positif sur la zone de la femme. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, nous avons montré qu'avec l'électrification, il y a eu une réallocation. L'électrification, l'accès à l'électricité a permis d'avoir des opportunités, n'est-ce pas? Des opportunités d'emploi rémunérées et aussi d'emploi à plein temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme qui est dans le village et dont l'activité, c'était après les travaux domestiques, les travaux ménagers et puis aller au champ, mais l'accès à l'électricité va lui donner beaucoup d'opportunités. Et elle a parlé tantôt de prise de décision. C'est vrai, il faut que nous sachions que dans les questions d'électrification, vous avez deux volets. Vous avez d'abord, il faut que l'électricité arrive dans le village. Et une fois que l'électricité est dans le village, vous, en tant que membre, en tant que villageois, je vais dire membre, population du village, vous pouvez ne pas avoir accès à cette électricité-là. C'est en cela que nous parlons d'accès à l'électricité. L'accès à l'électrification est très, très important. Et nous disons en cela, c'est bien qu'il y ait une politique, je pense qu'on va en venir, qui permette à toutes les populations d'avoir accès, y compris parce que vous avez les femmes qui sont dans le ménage, qui sont chefs de ménage, vous avez des femmes aussi qui sont des femmes mariées, vous avez plusieurs statuts de femmes. Et la prise de décision, comme elle a dit, est très importante parce que vous pouvez avoir de l'électricité dans un ménage. Mais le chef de ménage peut ne pas permettre à la femme d'utiliser l'électricité, soi-disant que à cause du paiement de la facture qui accompagne. Mais nous disons que, vous savez, les femmes, comme on l'a dit, les femmes, ce sont elles sont battantes, elles sont courageuses. Et l'étude l'a montré, c'est-à-dire qu'avec l'électricité, elle a la possibilité d'avoir des revenus ailleurs que le champ et des revenus qui soient plus, je vais dire, quotidiens. Parce que quand vous êtes agricultrice, lorsque vous semez aujourd'hui, vous pouvez attendre 3 mois, 4 mois avant de récolter, avant d'avoir le fruit de votre produit. Alors que les activités non agricoles, quand elles font du commerce au quotidien, ça lui permet d'avoir de l'argent. Et je pense qu'en cela, la femme devrait s'imposer à travers ce qu'elle apporte. C'est ça, l'autonomisation. Parce que si elle a les moyens, et je suis sûre qu'elle a les capacités de pouvoir diversifier ses activités et avoir les moyens. Si elle a les moyens dans le ménage, même si elle n'est pas chef de ménage, si elle a le moyen, elle aura droit à la parole, elle aura droit, n'est-ce pas, à l'électricité parce qu'elle contribue. Donc, je pense que tout le problème,
c'est vraiment de réfléchir. C'est vrai, il y a l'activité, mais comment faire pour justement permettre à la femme de tirer profit de l'électricité? Et nous pensons que, à travers, en tout cas, notre étude montre qui a montré que avec l'électricité, la femme peut aller de l'avant avec les. Mais la principale contrainte, ça il faut le dire aussi, parce que comme on le dit, il y a l'accès. Bon, ça dépend des pays où vous pouvez avoir l'accès gratuit ou bien préfinancé. Mais il y a aussi le fait qu'il faut payer les factures. Donc, la principale contrainte, et puis pour payer les factures, je l'ai dit, la plupart de nos femmes travaillent dans le milieu agricole, dans le secteur agricole, notamment dans le secteur vivrier, qui n'apporte pas vraiment, en tout cas à cause de l'accès, du manque d'accès, aux produits modernes, aux facteurs modernes de production, vous avez les femmes qui n'ont pas vraiment, qui tirent pas grand profit. Et donc, le problème, c'est vraiment le défi, sinon je vais dire le, comment on appelle ça, ce qui empêche, voilà, je vais dire ce qui empêche les femmes, le vrai problème, c'est le problème d'accès au financement. Le problème d'accès au financement est un problème très important en ce qui concerne les femmes au village. Parce que si elle a accès au financement, elle pourra non seulement diversifier ses activités, mais elle pourra aussi faire en sorte que même son activité agricole puisse lui rapporter à travers l'utilisation des intrants modernes. Et donc, je dirais que l'une des contraintes, c'est vrai, au-delà des contraintes sociales, des normes sociales, nous avons effectivement l'accès, le problème d'accès au financement. Il y a un problème important et dont il faut vraiment s'attaquer pour que la femme puisse tirer profit de l'électricité qui, de toutes les façons, c'est un moyen très efficace, très important de croissance économique. Parce que avec, on l'a dit, hein, on ne va pas revenir là-dessus, avec l'électricité, vous avez beaucoup d'ouverture, vous avez beaucoup de choses à faire. D'abord, vous sortez de l'obscurité. Imaginez, dans les villages, quand il fait nuit, lorsque vous n'avez pas le clair de lune, vous êtes dans l'obscurité, vos travaux sont réduits. Vous voyez, quand vous allez dans certains villages, déjà à peine, il est 19h, lorsque le soleil se couche, après, vous avez, les gens dorment, ils ne peuvent pas. Alors qu'avec l'électricité, ça développe des petites activités qui permettent aux gens de... Donc, je dirais que l'une des contraintes, au-delà de ce que ma collègue a dit, c'est vraiment l'accès au financement qui constitue une contrainte pour nous. D'accord, merci beaucoup, Dr. Benate. Then my last question is actually something that both of you have already touched a little bit upon, especially Dr. Benate on the issue of finance and microfinancing. So it's basically to reflect a little bit what are the other policies and strategies that could help overcome the barriers for women to profit of the whole potential of having access to electricity. So Dr. Benate talked a little bit about the financing issue to have access to credit to finance. So Dr. Temilat, do you have other ideas? Because you also have raised the issue of social norms. Yes. So are there ways to change social norms? What's the secret? What has been tested? What you have seen in the ground during your research? I think the norms sometimes can catch up with policy and technology, you know, maybe not the other way around, maybe not trying to change the norms directly, but, you know, trying to sort of work interventions in a way that can subtly, you know, tilt some of these imbalances. And I think one way is, you know, I mentioned it the last time, you know, this whole idea that smaller scale, so in our research, we found that smaller scale options, not perfect, not so the light from a solar lamp or even from like a roof mounted small solar home system, the power from that is not many times not comparable, for instance, to, you know, this mini grid installation, you know. But the fact that the, you know, women have more control over the, you know, whatever quantity of electrification they get from that can actually be a big boost to women's agency and being able to, you know, do what they need to do anyway, in spite of the norms, you know, around. So it's really what a key recommendation was,
complementing these larger scale community scale focused interventions to the smaller scale interventions that one women have more agency about. And as Dr. Benatia has said, we actually did also raise the issue of this access to the demand side financing, and however that works in different contexts. I know that microfinance has maybe not has had a bit of a rough time, over the years, but there are innovative schemes like being done by women themselves. So even taking advantage of things like, ROSCAS, the Rotating Savings and Credit Associations, to facilitate some of these. And there is some informal organization already on the ground. It just takes a little bit of innovation and patience to work, with them. And the structures are already there. In our policy and recommendations, we actually name checked ministries. So for instance, the Ministry of Women Affairs and Ministry of Agriculture and Rural Development, they have these structures already in place to reach out like in extension work. And it's possible to leverage these existing connections to see how existing, rotating savings groups, for instance, can be used to facilitate access to some of the smaller, in the first place, the unit cost is much lower than, the bigger scale ones, and then they are facilitated on the demand side to get that. And I think one more non-electrification policy idea would be to actually expand social protection schemes, for women and for rural women, and to tailor them to their specific needs and their context. So in Nigeria, we have something, it's not much, but we have something. But I think the limits of that were shown up in the, just this COVID period when the whole national roster of vulnerable households came to about 11,000. 11,000, like this is in a country of, hundreds of millions of people, clearly not it doesn't cut close, to what is required. And what social protection cover can do for women is, bearing in fact, this whole tripartite role that women play, the reproductive, productive, and community roles, they're just, all over the place, because they, it's things like emergency health expenses, emergency education expenses that they have to do out of pocket, things like that actually reduce their ability to be able to invest, some time and money back into their businesses. So just having this safety net would help them, one in the moment, but also to, I think, to be a bit more comfortable to take risks. To maybe work look for work further afield, or to just be not just to be on the edge all of the time, so I think that that's something that would benefit women particularly, in rural areas. Okay, thank you, that's great. So we have a whole research agenda in terms of policies that can be experimented and later on evaluated and scaled up. So Dr. Benate, would you like to say something more about the finance or other complementary programs, policies that could help to boost the impact of the access to electricity? D'accord, merci. Alors, je disais tantôt que en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, nous avions mis en place, l'État de Côte d'Ivoire a mis en place un programme qu'on appelle le programme social du gouvernement, et dans lequel vous avez dont le Prone est l'un des outils. Alors, dans ce programme-là, parce que je l'ai dit, le plus important, il y a l'électricité, il faut permettre aux populations d'avoir accès à l'électricité. Alors, pour ce faire, l'État a créé ce qu'on appelle, nous avons le programme électricité pour tous, et programme d'accès à l'électricité pour tous. Alors, donc, c'est un programme qui permet à tout le monde d'avoir accès à l'électricité. Et dans ce cadre-là, l'État a permis d'accompagner les populations pour leur permettre d'avoir l'électricité chez eux à la maison. Donc, l'État a pris en charge les frais de branchement et puis les frais d'abonnement, n'est-ce pas, de l'électricité.
Et nous savons que c'est quand même c'est un coût qui est très élevé, l'accès à l'électricité. Et pour des personnes, des populations vulnérables qui sont en milieu rural, il était difficile pour ces populations-là d'avoir accès. Et donc l'État a pris le devant, a préfinancé ces abonnements-là, le branchement pour les populations, et quitte à leur demander de payer sur 10 ans. Alors, le payer environ, j'allais dire quoi, 200, un peu moins de 200, un peu moins, ou bien 200 dollars à peu près, pour 10 ans, je pense que c'est quelque chose qui est prenable pour les populations. D'autant plus que, comme on l'a dit, avec l'électricité, elles pourront diversifier leurs activités. Donc ça a été fait au niveau ça a été la première étape. Et puis en plus, l'État a permis aussi, a fait un ajustement d'une baisse tarifaire, c'est-à-dire a baissé le coût de l'électricité de 20%, surtout pour les populations qui ont, comment on appelle ça, qui sont éligibles au qu'on appelle le tarif nominal des clients, au tarif social. Ce tarif social-là, c'est-à-dire que ce sont des clients qui ont droit à les électricités de 5 ampères. Et donc, pour toutes ces personnes qui ont ça, et l'État et même aussi pour tout le reste, l'État a, disons, fait cette réduction-là pour permettre aux populations de réduire le coût de l'électricité. Alors, comme je l'ai dit, dans cette dynamique, malheureusement, nous avons eu la COVID. Et avec la COVID, il y a eu des mesures barrières qui ont été prises par le gouvernement. Et ces mesures ont entraîné des effets négatifs. Mais pour réduire les effets, l'État, en matière d'électricité, a fait un geste. Par exemple, l'État a décidé de prendre en charge toutes les factures sur 2 mois, pendant la période de confinement. Parce que nous, en Côte d'Ivoire, nous avons connu le premier cas en mars 2020. Et en avril et mai, les factures d'avril et mai ont été prises en charge par l'État. Les factures ont été prises en charge par l'État. Et puis ensuite, l'État a permis aussi l'étalement du recouvrement des factures. C'est-à-dire, si vous n'avez pas, vous devez payer votre facture au mois de mars, et que vous n'avez pas pu, on vous donne jusqu'à fin août 2020 pour pouvoir payer votre facture. Donc, ce sont des mesures comme ça qui ont permis vraiment de mieux supporter les effets du COVID face à l'accès à l'électricité. Mais il n'y a pas que ça, comme on l'a dit, parce que tantôt nous l'avons dit, que les femmes ont beaucoup de contraintes. Même pour avoir accès à l'électricité, souvent, il y a des problèmes. Alors, nous, en tant que ministère de la Femme, Famille, Enfants, nous avons aussi notre rôle à jouer pour accompagner, pour que ces femmes-là soient prêtes, pour qu'on a parlé d'accès au financement. Et elle l'a dit, c'est-à-dire que pour que la femme ait accès au financement, il faut qu'elle soit organisée. Lorsque vous êtes organisée, il est plus facile pour vous d'avoir accès au financement. Et nous avons aussi d'autres types d'organisation de financement auxquels les femmes peuvent avoir accès. On a les microcrédits, on a aussi les associations, comment on appelle ça, les associations villageoises d'épargne et de crédit, qui permettent aux femmes aussi d'avoir, de pouvoir épargner de l'argent et mettre à leur disposition pour mener des activités génératrices de revenus. Alors, donc, en tant que, comme on le dit, première responsable des femmes, nous, en tout cas, même pendant la COVID, le ministère de la Femme a aussi pris des mesures. Il y a eu des mesures d'accompagnement aux populations vulnérables, les personnes qui vous avez des femmes, des veuves, vous avez des familles qui sont vulnérables. Elles ont pu recevoir de l'aide de la part de l'État. Maintenant, vous savez, comme je l'ai dit, nous, l'objectif de l'État, c'est que toutes les populations ivoiriennes, toutes les localités de Côte d'Ivoire puissent être électrifiées. Et cela a permis de mettre en place le grand projet qui est Brunet. Mais, vous savez, ce sont
Cette option, je dis, le prôner entraîne comment on appelle ça, des dépenses, les coûts So I think that we have a problem with the connection from Dr. Binate. While we wait for her to reconnect, perhaps. Ah, j'ai été coupé. Donc, je disais que le preneur demande un financement. Allô? On m'entend? Oui. Bien sûr. Alors. Allez-y. Ah, j'étais pas, c'était coupé. Donc, pour dire rapidement que le preneur exige des coûts de financement parce que c'est la connexion à travers le réseau national, l'interconnexion à travers le réseau national. Et vous avez des villages qui sont très loin du réseau. Et pour ces villages, le coût de comment on appelle ça, le coût de connexion est très élevé. Et vous avez, et dans le projet d'électricité pour tous, nous avons à électrifier plus de 80 000 villages qui sont des campements, qui sont loin du réseau national. Et pour atteindre notre objectif, vous avez d'autres alternatives. Nous avons d'autres alternatives. Je crois que dans le cadre de notre étude, nous avons essayé d'analyser ces alternatives. Et nous avons, par exemple, en plus du Pronet, vous avez l'option que nous appelons l'option solaire, vous avez l'option biomasse, vous avez l'option petite hydroélectricité. Alors, ce sont des options qui viennent accompagner, qui viennent soutenir le Pronet pour que ces villages qui sont très loin du réseau national puissent avoir de l'électricité. Alors, donc, ces options sont d'autant plus intéressantes à travers notre étude. L'étude a montré qu'elles sont moins coûteuses que le Pronet. Et puis, leur mise en œuvre est assez rapide. Et puis, c'est aussi adapté aux localités. Je crois que ma collègue le disait tout à l'heure. C'est adapté aux localités parce que vous avez des petites localités qui ont moins de 500 habitants. Et donc, ce sont ces options-là que nous avons proposées, n'est-ce pas, à l'État pour que, notamment, et parmi les trois options, la meilleure de ces trois options, c'est l'option biomasse. Et l'option biomasse, c'est ce que nous avons recommandé pour accompagner le Pronet et permettre à l'horizon 2030, qui est l'horizon qui a été choisi par l'État, pour permettre à toutes les localités de Côte d'Ivoire d'avoir accès à l'électricité et aussi d'avoir de l'électricité et aux populations d'avoir accès à l'électricité. C'est deux choses différentes. Donc, je dirais que ce que nous disons, cette étude nous a vraiment donné l'opportunité, n'est-ce pas, de montrer au pouvoir public que l'électricité est un facteur très de développement très, 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 très important. Et que ce facteur est beaucoup plus important pour la femme, dont l'objectif, nous, en tant que ministère, nous voulons l'autonomisation de la femme. Parce que nous avons compris que lorsque une femme est autonome, c'est non seulement elle arrive à subvenir à ses besoins, elle contribue au développement, mais elle arrive aussi à subvenir aux besoins de sa famille. Et surtout, lorsqu'elle est autonome, elle arrive aussi à faire ses choix, à prendre ses décisions, ce qui est très important. Parce que même quand une femme mène une activité, si c'est le mari qui doit décider de combien d'argent je vais emprunter, quelle activité je vais mener, ça ne correspond pas toujours à ce que la femme veut réellement. Donc, nous disons que ce projet d'électrification de nos localités est un projet très important et nous, vraiment, nous encourageons l'État à poursuivre, n'est-ce pas, la politique qui est mise en place parce que je pense que si cela est fait avant même l'étude, qui est des données qui donnent de façon
probable, de façon empirique, n'est-ce pas, les résultats, l'impact de l'électrification. L'État même déjà avait compris, parce que ça fait partie de son programme de développement. Alors, donc, je voudrais vraiment encore, je ne sais pas si nous sommes à la fin ou bien si on a encore la parole. Non, on a toujours deux questions qui ont été posées par les participants. Ah, là-bas, ok, d'accord. Ok, donc, je vais m'arrêter là pour attendre les questions. Merci. D'accord, merci beaucoup, Dr. Binate. So, I change to English. So, we have two questions here. Both came in French. But I think that the first one, actually, Dr. Binate has already touched on it, has replied a little bit. But the two questions actually refer to the difficulty for the extremely poor households, actually, to pay the bills, to pay the electricity bill. So the first question was actually to reflect a little bit on alternative source of energy, like solar energy. Madame Binate has already spoken about the biomass that actually looked at it. The second question also related to the difficulties of households in paying the electricity bills is basically asking in the context of Ivory Coast, but would like to hear from Temilad about it as well in Nigeria, whether the prepaid cards, or la carte prépayée, could be an alternative for the households so that they don't have this catastrophic cost when they receive the electricity bill. Okay, thanks. So I'm going to attempt to touch on both questions with one example. So at the beginning, I talked about this new project, Solar Power Niger, that was unveiled by the government at the end of last year. And it's part of this something called the Economic Sustainability Plan, because Nigeria entered into a deep, deep recession when COVID sort of started. So yeah, there's this general recognition that yeah, things need to be sort of fast-tracked and sped up as much as possible. So access to electricity for rural households is actually identified as a major, major component of this broader Economic Sustainability Plan. And so the idea is to make solar home systems available to 5 million households over 3 years at the rate of about 4,000 naira per month. That comes to about $10. $10. And when I'm reading through the plan, I know for a fact, like in a place where say about $1 a day, thereabouts, let's even say $1 a day, that's already a third of the household's monthly income. $10 a month is a lot. It's a lot for poor rural households, many poor urban households as well. So in absolute terms, it doesn't look like a lot, but in relative terms, it's actually quite high. So the question is how do they afford this? And this is, you know, one gap, you know, in this policy, in this new policy. A lot has been said about providing low interest loans to the private sector people that are supposed to have the incentive to drive the installation of the solar home systems, but nothing has been said about how to help poor rural households afford it or spread out the cost, you know, or whatever. So there is that gap. And the issues that we've raised before, you know, that Dr. Binate said, I'm not sure if we have examples across Africa. It'll be interesting to know. Maybe if there are examples in Côte d'Ivoire where actually there have been schemes that have facilitated this demand side in terms of credit or, you know, however, being able to pay, you know, creative mechanisms for paying. So there's that gap. Yeah, so the alternative here, you know, there's the first question about the alternatives. The alternative has now is this smaller scale, which is, like I said, something that, you know, our research, you know, findings indicated, you know, would result in more equitable access. And then now the government, you know, came, you know, as part of this broader plan to say, actually, we're going to do this, even though they haven't specifically tied it to any gender objectives. But here, I think the key point is already it's possible to see that unless this is approached in a very gender sensitive and gender aware way, for instance, by
enabling women, poor rural households, to be able to afford these things. Then we'll find out at the end of the day we haven't achieved any progress with regard to women's empowerment. So yeah, that's a key weakness that we'll be maybe be propagating as part of our policy dissemination messages, you know, going forward from this project. Okay, thank you very much, Dr. Binati. Bon, je pense que dans mon intervention, j'ai présenté ce que l'État fait pour permettre aux populations les plus vulnérables d'avoir accès à l'électricité. L'objectif à terme, c'est vraiment de permettre aux populations d'avoir accès à l'électricité, mais à moindre coût. Et c'est en cela que nous avons évoqué et nous avons même recommandé, n'est-ce pas, l'option biomasse qui revient moins cher. Donc voilà, et la mise en œuvre revient moins cher et certainement ça va permettre aussi aux populations de payer des factures moins chères. Et vous avez parlé aussi, je crois que la question est aussi de système de cap à la cap. Que ce soit le système à la cap ou que ce soit le système normal, je vais dire, à la fin de la journée, vous devez payer une facture. Et le point le plus important, c'est comment payer, être capable de payer ma facture. Alors, je pense que si nous donnons l'intérêt, l'importance qu'est le fait d'avoir accès à l'électricité, je sais que j'ai de l'électricité chez moi. Je ne travaillais pas avant, il y a des petits commerces que je vais faire. Je pense que ça peut aider aussi. Peut-être que c'est vraiment, comme on le dit, d'organiser les populations, notamment nous parlons des femmes, pour qu'elles puissent mener des activités. On l'a dit, avec l'électricité, elles peuvent produire, puisque nous avons des associations de femmes, elles peuvent produire. Et quand elles ont produit à travers l'information, elles peuvent chercher des marchés de chez elles. Voyez-vous, et les gens viendront vers elles pour acheter leur... Et donc, je vais dire, le fait, ce n'est pas tellement de voir, elles sont vulnérables, elles ne peuvent pas payer l'électricité. Mais qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Comment on peut les aider à pouvoir justement payer l'électricité? Parce que la gratuité, ça ne peut pas, ce n'est pas éternel. Je pense que plutôt que de donner, peut-être dans un premier temps, je vous ai dit dans le cas de la Côte d'Ivoire, lorsqu'il y a eu le confinement, l'État a pris en charge les électricités pour les personnes vulnérables pendant 2 mois. Mais après, il faut payer. Alors, donc, pour moi, la meilleure solution, c'est vraiment de mener les populations à pouvoir diversifier leurs activités, à pouvoir mener des activités qui vont leur permettre d'avoir des revenus et leur permettre de faire face aux frais de la consommation de l'électricité. Mais aussi, comme je l'ai dit, l'État aussi a le devoir justement de donner de l'électricité moins chère, parce que c'est aussi ça. Il faut leur donner de l'électricité moins chère. Je pense que dans le cas de la Côte d'Ivoire, l'objectif, c'est de ça. L'objectif, à l'horizon 2030, il faut que tout le monde puisse avoir accès à l'électricité et à de l'électricité qui soit, dont le coût soit raisonnable pour permettre aux populations d'avoir accès à cette électricité-là. Voilà. Merci beaucoup, Dr. Binati. Do you have any other questions? There is any hands raised, or the participants that are still here, if want to ask the panelists, please feel free to raise your hands and the organizer will open the mic. We have one raised hand. I will turn on. Dr. Milene. Allô? Allô? Oui, on vous entend. Ah, OK. D'accord, merci beaucoup pour cet important débat. J'ai posé mes questions dans la discussion. Je voudrais aussi qu'on puisse toucher la question de la sensibilisation, parce que souvent, au milieu rural, les femmes ne voient pas, n'arrive pas rapidement à voir l'opportunité qu'offre l'électricité. Peut-être qu'il faudra aussi associer ça à des sensibilisations, à des formations pour que les femmes voient l'intérêt.
si elles voient l'intérêt, elles vont certainement trouver les moyens de s'abonner, de trouver des... Par exemple, elles peuvent, si elles ont des difficultés de décision, elles peuvent, par exemple, se regrouper en tant que femmes et puis installer une unité où elles prennent l'électricité, elles payent en groupe et puis elles font des activités. Je pense qu'il serait bon, surtout pour les ONG, d'accompagner ce processus d'électrification par des sensibilisations, des formations, pour montrer aux femmes les opportunités qu'il y a, peut-être celles qu'elles ne voient pas rapidement. C'est juste une contribution. Oui. Doc, would you like to comment? Thank you, lads. Yeah. Dr. Binante. Yeah. I mean, thanks for that comment. I think I see the point that you're trying to make. But I think that to the extent that maybe they don't see a value for it is the extent to which they you know, currently don't have economic incentives, you know, to maybe invest upfront in electricity options. You know, like I said, you know, even when women engage in economic activity in the rural areas, all of the proceeds or a lot of the proceeds don't necessarily go to them. You know, that's one. So in many ways, you know, rural areas are not set up to be economics, capitalist spaces, they are economic sites of production, you know, but capitalist in the sense of, you know, there's a very, very strong, I don't know, solidarity economy or, you know, all this, the moral economy, the idea that things are not as monetized in a sense. And I think even more so for women's labor, both domestically and, you know, and commercially. So I think I would say that maybe the key to that, in addition to maybe the sensitization you mentioned, is really this realizing that, you know, rural development does need to be linked in relation to the last question to broader opportunities, a broader growth/development plan. I think that, I mean, it's the same women that leave the rural areas, for instance, and migrate to urban areas, and they suddenly become, you know, like dynamos in the marketplace, haggling, and, you know, so it's not that intrinsically they don't like see the value of profit or, you know, or money or, you know, economizing or monetizing things or using energy to be more productive. It's really about the way that the incentives are set up. So I think it really, really does emphasize the fact that this needs to be seen as a broader rural development and productivity enhancing projects, which means that, you know, in addition to the electrification policies, you have employment policies, you have you have women's empowerment, you have, you know, so some of these things will actually take time in terms of better, say, education opportunities will help women to be better educated and seek better options for employment, you know, later on. So it does need to be seen as part of a continuum. So no, you know, access to electricity isn't going to suddenly solve every single problem that women have, you know, in rural areas. So it does need to be seen as one strand in this broader development agenda. Thank you. Dr. Binante? Okay. Alors moi, je voulais ajouter sur ce qui a été dit pour dire qu'effectivement, il y a un besoin de sensibilisation. Mais au-delà de cela, il faut dire que nous l'avons toujours dit, nous avons affaire à des femmes qui vivent en milieu rural. Et nous savons que de façon générale, ce sont ces femmes vivant en milieu rural sont parmi les populations les plus pauvres. Donc il y a un besoin de moyens pour pouvoir travailler. Alors, donc, ce que j'allais ajouter là-dessus, en plus de la sensibilisation, mais ce qu'il faut surtout faire, c'est d'accompagner l'électrification. Ça veut dire quoi? Vous avez de l'électricité dans un village. Vous avez des femmes dont l'activité principale, c'est le secteur agricole.
qui se limitait à la vente des produits agricoles. Et nous savons que généralement, je vous ai dit, les femmes sont dans le secteur vivrier. Donc, ce sont des denrées périssables. Quand vous produisez, vous récoltez, il faut vendre les jours qui suivent, sinon ça se gâte et vous perdez. Donc, il faut encourager les femmes. C'est pour cela que notre option maintenant, au niveau même du ministère, c'est pour toujours, c'est de vraiment transpasser à la transformation, la mini-transformation déjà. Et ça suppose qu'il faut leur donner les outils nécessaires. Elle a parlé d'un programme de développement rural global. Moi, je parlerai même de développement local pour permettre justement, ne serait-ce qu'avoir les moyens. Parce que vous avez des femmes qui transforment le manioc en attiéké. Vous avez les femmes qui transforment le karité en beurre de karité. Vous avez des femmes qui transforment... Il y a beaucoup de tous ces produits vivriers peuvent être transformés. Alors, si vous avez... Si l'État met à la disposition de ces femmes-là des outils, des machines, ça va leur alléger la tâche. C'est aussi la condition. Parce qu'une femme, même si elles sont en coopérative, ne peuvent pas tout de suite, je vais dire, avoir accès à s'acheter des machines, des broyeuses. Alors donc, pour nous, il faut vraiment au niveau, il faut que nous accompagnons ces femmes-là à travers cette... Et au niveau du ministère de la Femme, au niveau du gouvernement ivoirien même, nous avons commencé. On a un projet que nous appelons Usine des Femmes de Côte d'Ivoire. L'objectif de ce projet, c'est vraiment de pouvoir donner les moyens aux femmes pour pouvoir transformer leurs produits. Mais vous ne pouvez pas donner des usines s'il n'y a pas d'électricité. D'où l'importance de l'électricité, parce que tout part de là. Pour moi, on parle en termes d'accompagnement, que ce soit au niveau des collectivités locales, pour accompagner les femmes, pour accompagner l'État, les femmes à pouvoir mener leurs activités et à pouvoir s'autonomiser. Donc, c'est ce que je voulais ajouter à la question. C'est vrai, il faut sensibiliser. Il faut savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Elles peuvent ne pas savoir, parce que des gens qui ont vécu dans l'obscurité, je vais dire, elles peuvent ne pas savoir. Ou bien elles le savent, mais elles n'ont pas les moyens. Donc, effectivement, il y a des sensibilisations qu'il faut, qu'il est important de mener, comme l'a dit Mme Soro. Merci. D'accord, merci beaucoup. I think that we don't have any more questions and we are actually beyond our time. So, I would like actually to invite those of you who are still here with us for the second webinar of this series that's going to take place in 2 weeks' time, the other Friday, it's the 26th March. And we're still going to discuss also some challenges for women and with a focus on the labor market participation. I'm not sure whether Manuel or Marjorie would like to give some closing words. If not, I would like to thank Temiladi and Binate for this very, very interesting discussion. I really like the format without having the presentation. And then we had the opportunity to go well beyond the paper. So the paper was just an excuse for a much larger and important conversation. Marjorie? Yes, sorry, I was mute. Just wanted to say thank you also to both presenters. This was a very interesting conversation. We've also received very positive comments by email. There were other questions in the Q&R, which we exceeded the time significantly. So I will share these questions with you in the name of the participant in case you want to address, we want to address those maybe by email or something. So thank you. Thank you all in name of PEP. Thank you. Au revoir. Thank you. Thank you. Au revoir.